16e journée de DSR entre la Lanterne Rouge Plumeur, ici en bleu, et Châteaulin, deuxième au classement. Un choc des extrêmes qui semblait à la défaveur des Morbihanais. Et pourtant, ce sont bien les joueurs de Laurent Bourmeau qui ouvrent le score rapidement. Dès la troisième minute, Vatier, un autre ex-Lorientais, met les siens sur de bons rails. Si le score n'est que de 1-0 à la pause, les choses s'accélèrent alors en seconde période, avec un festival de buts pour les Bleus, 4 en l'espace de 15 minutes. Bernaer à la 51e. Le Guernévé 10 minutes après. Puis Bartis, et enfin Vatier pour un doublé. En fin de match, Châteaulin réduit le score par Lagadec à la 75e, puis Lepage à la 87e. 5-2, score final, Plumeur signe là son 4e succès de la saison. On a l'habitude un petit peu cette saison de rater nos deuxièmes mi-temps. Donc justement, il y a eu un discours à la mi-temps du coach Bourmeau qui nous dit voilà, les gars, il y a une deuxième mi-temps. Et prouver à tout le monde qu'on est capable de faire ce genre de match, ouais, forcément mentalement, c'est important. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de prendre autant de buts. Donc il faut rester lucide et mature. Et puis quand on en prend 5, on fait quand même énormément d'erreurs. Donc on ne peut pas en mettre autant, voire plus, pour espérer gagner. Donc du coup, c'est un apprentissage et comme je dis, c'est formateur. Étonnante de prime abord, la déroute des Châteaulinois n'est toutefois pas si surprenante que cela. Il faut quand même se dire qu'on est venu ici avec des gars qui jouent pas forcément au DSR. On va pas dire qu'on fasse le championnat, mais nous on est obligé de voir pour le club la priorité. Hein, c'est pour notre équipe B et notre équipe C aussi. On va récupérer 2 suspendus le week-end prochain, peut-être un blessé, donc ouais, c'est au coup par coup. On sacrifie là, c'est clair. Après, un club, c'est pas qu'une A. On voit beaucoup de clubs qui ont une A, mais après, derrière, si c'est pas la B, la C qui suit, il faut fédérer comme le club. On est comme un club familial. On paye pas, et pas d'argent, donc c'est clair que c'est l'esprit groupe. Mais c'est dommage de montrer cette image-là qu'on a fait aujourd'hui. On est déçus. Pour Plumeur, la victoire vaut de l'or dans cette poule dont le bas du classement est très serré. Le prochain défi, ça sera d'être régulier dans la performance, ce qu'on n'a pas fait encore cette saison. Je ne peux pas affirmer aujourd'hui qu'on sera en DRH. Je ne peux pas affirmer non plus qu'on soit en DSR. Aujourd'hui, il nous reste 5 matchs. 5 matchs à vivre ensemble, 5 matchs à jouer déjà. Après, nous, on est déjà relégables, on est déjà dernier. Il peut arriver que des choses bénéfiques. Pour la prochaine journée, Plumeur se déplace à Fouesnant, tandis que Châteaulin recevra Saint-Renan.